Bonjour, bonsoir, nous allons attaquer la découverte de Gris. Ça fait depuis très longtemps que j'avais envie de me lancer à corps perdu sur la découverte de cet univers onirique qu'est Gris. J'ai laissé trop longtemps trop de côté. Et je pense que c'est le bon moment, en un lundi zen, qu'on découvre ceci ensemble! Quelle incroyable entrée en matière. Ok, là on peut jouer. Incroyable. Incroyable. Ok, quand j'appuie sur une sorte de touche de saut, elle trébuche. Ouais, c'est un dessin. Tu joues un dessin, quoi. Ah, c'est juste fou, quoi. C'est juste ouf. C'est tellement beau. Ok. Ok, je peux courir maintenant. Je peux courir et bondir. Merci à Namart. Ok. Ok. C'est tellement beau. On fera la journée, mais... Depuis tellement longtemps que j'avais envie de... tellement... Onirique. J'ai juste envie de me poser, d'écouter en fait. Juste me poser, écouter. Très bien. Ah! Intéressant.
Havane. Je connais pas, pas que je le note de côté. Tellement beau. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Un genre de feu follet. Un feu follet qui nous suit. Ok. Pas, ce n'est pas une sorte de d'attaque cosmique. Ça ne produit pas de, d'attaque particulière. Oh. Ok. Enfin, quand je dis une attaque particulière, c'était pas pour un. Hein, c'est pas pour dire que je suis quelqu'un d'agressif, vous voyez? Oh. Pas accéder à... Là-bas, j'imagine... Ouais, je présume... qu'il faudra un... Oh, ok. Qu'il faudra un genre de double saut, en fait. Ou alors passer par un... autre endroit. Qu'est-ce que c'est? Je m'ai tombé. Très bien. Merci. Attends. Le graphisme est off. Ouais. T'as juste envie de te plonger, t'as juste envie de découvrir. Bon, elle marche à gauche. Je présume que... Ouais, voilà, c'est ça. Et attends. Est-ce que tu peux tomber par la gauche et récupérer le... l'objet que tu convoitais tout à l'heure? Oh là là, oh mon dieu, ça fout le verre. Oh, je suis subjugué, je suis totalement subjugué. Comment on fait ça? Il nous faut un nombre de constellations. Peut-être. Peut-être qu'il fallait juste rester devant pour qu'il prenne forme. Comme c'était le cas en haut. Ok. Ok. Ah, quoi? Trois constellations? Trois, quatre? Là, je vais incroyable. Ah, c'est un checkpoint. Ah, ok. Ah, il faut attendre un peu pour former le pont. Très bien, ok. On n'a plus les constellations, une fois qu'on se pose. On a l'air, ouais. Incroyable. J'ai juste envie de me laisser porter, en fait. Une nouvelle couleur, donc.
Ok. Est-ce que ça veut dire qu'en retournant en arrière, on a de nouveaux éléments? Ouais, on croirait une peinture qui prend vie en fait. On peut pas remonter, très bien. Du réflexe. Hein. Je crois que c'est pas l'expression, la musique met les poils, mais je crois que c'était des notes que la musique mettait, mais ok. Je connais pas les spécificités. Ok, très bien. C'est un tableau en fait, on traverse juste un tableau. C'est assez génial. Traverse juste un tableau, c'est juste. C'est juste ouf. Juste envie de poser. En fait, ok, il en manque une de constellation. Ok. C'est juste fou, quoi. Ok. Ok, vous voyez toutes les petites constellations qui peuvent prendre vie. Piu piu. Est-ce qu'on veut... Est-ce qu'à droite il y a un truc à découvrir? Oh, attends, si, il y a autre chose. Là, je me suis pas arrêté tout à l'heure, comme je m'étais arrêté. Oh, peut-être juste partir à droite. Bah ouais, évidemment. Ils vont être ça toutes les deux. Quant à l'impression que c'est... Ok. Je veux vivre dans ce jeu. La lune. Oh mon dieu. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi j'aime raconter des histoires. Pour... juste ressentir en fait. Ok. La lune se couche, le soleil se... Oh mon dieu. Très bien. C'est pas le début. Ah là, vous voyez le vieux réflexe des RPG.
S'il retourne en arrière pour voir s'il n'y a pas un bonus. Ah bah voilà. Ok. Très bien. Très bien. Nous sachons, hein. Regardez les couleurs qui se sont raffermies. C'est l'expérience qui parle. C'est Sonic qui parle. Quand tu vas en arrière et que tu peux traverser le premier plan. Les gamers. Et ouais, mais... Il y a un côté mondes engloutis, hein, en termes de DA. Oh. Ça va être compliqué de faire du Dead by Daylight après. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est juste incroyable. Certains diraient... ouais, non, mais c'est juste du copier-coller, en fait. Oh... Non. Abandonner certainement pas, non. Ok. Mais non, ça. L'orgue va se remettre, voilà. Dans quelques... Incroyable. Tout est incroyable. Allez. On est protégé par la grotte. Ok. Merci vraiment, Karine. C'est bien noté. Je vais continuer à découvrir et faire découvrir. Pouah. Ok. Là, on est à l'abri, donc je présume que si on était en dessous... Ah, vous voyez les cailloux frappés contre la... Là. Oh non, là-haut. Ouais, le pont. Après, on va aller à droite complètement, là, pour voir. Là, on est protégé, je présume. Ah non, on n'est pas venu ici pour rien. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Des cailles araignées. Après une nouvelle constellation, nouvelle étoile. Ok. C'est-à-dire que techniquement on peut aller à droite, mais le pilier au plan nous fait une sorte de protection. Et là on va voir apparaître un pont. Là, techniquement, si le vent souffle, on recule. Sauf là, en l'occurrence.
Mais... Fichtre. Merci Magico. C'est bon. Ça, j'ai changé le Uber. Hein. C'est bon, on l'a récupéré. Là, on va être propulsé. Aucune protection. C'est ouf. On a un pont qui apparaît. Non. Bon, je continue. Ah, elle n'arrive pas à chanter. C'est ça. Au début, elle essaie de chanter, elle n'arrive pas. Elle essaie de retrouver sa voix. Ok. Bien, maintenant, on sait maintenant. Maintenant, nous sachons. Retour en arrière. Je veux le même poncho. Je veux le même poncho. Je préfère ce poncho-là à celui de Dr. Tanja. Ok. D'accord. Ok. Ah, c'est tellement beau. T'as juste envie de vivre dans cet univers-là, en fait. Et d'avoir un double saut. Ok. Laissez-moi. Ok. Ah ah. Le poncho, fameux coupe-vent. On sait maintenant comment ça marche. Ah, et les petites créatures sous forme de cailloux, c'est un peu... On va aller à droite, parce que je présume qu'on peut casser ça, mais on va voir si à droite il y a une constellation. Voilà. Ok. Elle suit mon mouvement.
aquarelle, c'est juste une tache d'aquarelle de lumière. C'est... Il y a de l'aquarelle au premier plan. Il y a... C'est... Je veux un jeu de rôle illustré comme ça, principalement. Je veux, ouais. Pancho. Hop là. Re. Même avec le... Ah bah ex. Comme quoi. Pile dedans. Ça. Incroyable. Ok. Donc la glissade. Le petit schwing schwing qui m'a fait peur, les réflexes, ouais, de Dead by Daylight. Tu vois, truc. Un truc qui bouge. Oh, non, c'est juste quelque chose de plus en beau. C'est quelque chose de beau en plus. C'est ouais. Ça va? J'ai pas vu. Ah. Oui. Oufissime. Incroyable. Je vais voir ça de suite. Et là... Ok. Monter. Ah non, mon dieu. Ok. Non, pas du tout. Je vois ça justement maintenant. Incroyable. Bien, je t'en retoucherai deux mots là-dessus, chez Domo 6 après gris, si tu veux, y a pas de problème. En tout cas, merci à toi pour ton soutien, merci infiniment. Merci Bistus aussi, pour le tier 2. Merci beaucoup. Hein. C'est fou. Incroyable. Avec le petit mouvement de... Le petit mouvement de caillou. Oh mon dieu. Ah ouais. Je suis en plein émerveillement.
Je sais pas quoi dire. Je suis bouche bée. Je regrette aucun choix jusqu'alors de plonger un peu plus dans les découvertes. Ah. C'est... Ok. Alors d'abord à gauche. Ok. Non, le... Il y a un côté hypnotique, un côté genre... T'as envie que ça s'arrête pas, en fait. Ah ah ah! Ok, d'abord. Très bien. Je n'utiliserai pas la pâte à fixe pour cette fois. Bah voilà. GG moi. Pour une raison que j'ignore. Ok. Truc à faire avec le drapeau? Non. Ok. Très bien. Et même le vent. Ok. Tac. Très bien. Tout est ok. Récupérer. Alors pouvoir retourner à droite. Yeah. Ok, la cloche. J'ai juste envie de l'aider, elle. Ouais, j'ai juste envie d'être là pour elle, en fait. Je vois, c'est... Et là, alors il nous en manquait. Ok. Mais même là, il y a des sortes d'empilements de cailloux. Ok. Il aura défoncé ce... Ok. Il a pas besoin de t'expliquer ce jeu. Il a juste besoin de te raconter. On va faire un petit retour là.
la gauche d'abord. Ok. Résume qu'il faut aller à gauche pour récupérer une petite étoile pour aller ensuite vers la droite. Ouais, mais... Ok. Comment on fait ça? Casser ceci pour que ça monte plus haut pour pouvoir accéder ensuite à l'étage intermédiaire. Voilà. Dis-moi que c'est pas trop tard. Non. J'ai cru que genre c'est la fin des haricots, le truc qui s'en va. En criant caca, merci, salut pour le poisson. Et je me suis dit, ah, oh, on s'est loupé peut-être. C'est un peu gurgé. Ok. Non, il faut monter. On va monter par là. Ouais, je pense que j'aurais pu peut-être aller sous. Ah ouais. Mais oui. En fait, ça change le poids du poncho. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de sauter. C'est pas juste comme dans Ori, en fait. Hein. Parce que, du coup, j'ai pris ce réflexe. J'ai pris ce réflexe, comme Ori, de me mettre en boule, comme ça dit, s'appelez ça comme vous voulez. Et en fait, ça se transforme. Dans là. Ok. Attention. C'est parti. La course. Contre la montre. Ok, c'est totalement bien pensé. Ok. J'avais le vertige quand j'étais ado, j'avais le vertige. Je ne l'ai plus du tout. Au contraire, je suis fasciné par les hauteurs. Ce qui est problématique pour moi. Parce que des fois, ça me met en danger. Toujours pas. Non, je sais pas. J'ai arrêté d'avoir le vertige au moment où j'ai pris conscience que je pouvais affronter mes peurs. C'est très bizarre à dire, mais c'est... Ça a commencé dès lors que j'ai arrêté d'avoir peur des hauteurs. Voilà. Il en manque une. À droite, du coup, je présume. Ah non, je viens de la droite, non? Il me semble que je viens de là, non? Non, je crois. Non, j'ai pas d'air. Ok, faut que j'aille par là. Je viens d'en bas, ouais. C'était ça, après je suis monté. Oh! Et j'ai arrêté d'avoir peur des hauteurs, d'avoir le vertige. Quand, dans la même période où je contrôlais mes rêves, dans la même période où dans l'obscurité, quand je me retrouvais dehors tout seul, je commençais à imaginer des créatures cauchemardesques dehors. Mais pas dans le sens où j'en avais peur, dans le sens où je trouvais ça trop stylé.
Ah, plus gros rocher, hein? C'est meilleur ici, hein? C'est quand même plus cosy, hein? Bernard, l'ermite. Ok. Tant que je vais pouvoir descendre et utiliser. Même la musique, tu sens que un truc peut se passer. Ok. Et là, constitution de la constellation. Oumpa. Loumpa. Ok. Yes. Je peux monter ici? Non. Oh! J'ai fait quoi? J'ai cassé sa maison? J'ai fait quoi? Non. Hello Light. Je sens qu'il va se passer un truc d'incroyable là. C'était pas assez? Sûr de sûr? Mais si. Encore plus haut, comment? Encore plus haut, c'est pas possible. Peut-être. Ah! J'ai! Parce que c'est pas un élément de gameplay ce qui se passe avec la roue là, c'est pas un élément de gameplay, mais c'est un pur élément de narratif. C'est un pur élément narratif. Oh. C'est juste voilà quoi. C'est juste... voilà. Vert, couleur de l'espoir.
Je juge Yuki. Ok. Vous savez ce qu'on va faire. Du vert, donc. Très bien. Parfait. Le vert, c'est couleur de l'espoir, du moins. Ah, avec les effets d'aquarelle dans les yeux. Ok. Ah. Mais c'est hypnotique, c'est un. En plus, c'est ouf parce que je me dis même pas que ça manque de missiles et d'explosions. Je trouve que ça se suffit à lui-même. Je trouve ça bien quand même. Oh! Ah, quand je disais explosion, c'est. C'est quoi? Pas obligé à 200%, hein. Mais regardez la puissance. C'est une vignette de BD. C'est une toile. C'est une toile vivante. Ouais, je suis comme ça quand je suis sous le charme. Silencieux. Il n'y a pas, d'élément de gameplay. Il n'y a pas. Tu visites un tableau en fait. Et t'as l'impression que c'est là. T'as l'impression de vivre ta meilleure vie. Bonhomme là qu'on va suivre tranquillement avec les effets de premier plan et tout. J'ai très curieux de me renseigner auprès du pour savoir le
Quel studio a fait ça? Oh! Il se met à gueule, il est au premier plan là. Il se cachait. Bien sûr. Ok. Babu. Ah, il était derrière Starbrella ici, juste là. Oh! Je vais pas me faire découper en deux si je. Non, je pense qu'il va me propulser. Si je me mets là, je pense qu'il va me pousser vers la droite. Oh, ok. Y a rien là au fond. Ou à gauche. Je pense pas que je puisse escalader. Très bien. Non, il va me pousser là. Trop tard. 1, 2, 3, soleil. Ok. Ok. Ok, il aurait fallu que je saute directement. Oh. Non. 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 Vous savez, c'est... Ça me rappelle ces moments où je réussis du premier coup en first try. Les trucs, mais dans la panique, je... Dans la panique d'avoir loupé quelque chose, je me dis, ah... Oh, quand même. Pas fallu. Ouais, j'aurais dû juste suivre mon premier instinct. Ça va, c'est pas... C'est à ma portée. Mais c'est beau, mais les plateformes sont belles. Ok. Jack, maintenant. Ok. Très bien. Puis selon la culture aussi, hein, absolument. Et attends, je peux pas monter plus haut là. Je peux aller voir plus haut. S'il n'y a pas un petit. Non, je pense pas que ce soit à ce niveau-là. Ah! Si, carrément en fait. Ok. 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 Yes. Ah. Ah, il fallait esquiver par le bas. Oh. Avant de remonter. Ok, ok. T'es où? Regarde. On peut être copains? Regarde. Il y aurait quelques petites flèches qui montent, ça pour indiquer aussi. Copain carré, hein. Oh non! Ok. Attends. Ok. Je crois que je suis poursuivi par un pot de fleurs. Je vais pas me retourner. C'est marrant parce que j'ai débloqué le vert. Mais c'est pas des champignons. C'est pas une flèche vers l'eau, c'est un champignon. Ok, ok. Il fait son petit bruit. Il queen. Hein? Vous avez reconnu, hein? Petit oiseau. On peut pas monter par là. Ok. Je présume qu'il faille activer quelque chose. On va explorer la zone du bas d'abord. Par contre, l'objectif là, c'est de... Ok. Ouais, go.
Est-ce que c'est un objectif? Ça, c'est carré vert. Ok. Ah, peut-être en faisant tomber les feuilles, peut-être. Ou quelque chose. Ah, une pomme, peut-être en faisant tomber. Parce que vous voyez, il y a des pommes en dessous. Ah oui, les pommes. Ici, il semblerait que les pommes, toutes les pommes soient tombées ici. Mais pas à droite, vous voyez les pommes en dessous accrochées. Tiens, c'est pour toi. Allez. Comment tu arrives à trouver un bloc carré mignon? Ah bah en fait, ils y arrivent. Ils te le font. Ok. Alice. Très bien. Alors, pas Alice. Le film Resident Evil, hein, bien sûr. Ok. Je peux continuer là, à gauche. Très bien, t'as une perspective. Donc, tu peux continuer à droite. Très bien. Ah, c'est bon, à gauche, là, c'est ok. Ah oui, je sais. Voilà. Une sorte de mime. Bah, dans Dark, il n'y a pas longtemps, on l'a géré. Yes. Ok. La collection des bras et des jambes. Ouais, c'est ouf. Ok. Très bien. Oh. Bah, je pense qu'il va rester en bas. Hein. Cassage. Aucun intérêt, mais... mais j'ai pris du plaisir. Oh. Ok. Très bien. Avec les carnes. Ah, t'as été gentil. Mais même le bruit où il croque dans la pomme, mon gars. Allez, on peut pas se ninja. Ok, si. T'as un caillou qui croque dans une pomme carré. Et t'as fait. Oh. Pardon. Il a disparu. Désolé. Ah non, ça va. Deux secondes avant. Oh, c'est mignon. Deux secondes après. Oh, pardon.
Vous voyez, typiquement, moi je suis mais 1000 fois plus sensible à ça que à Outrider qui va juste sortir, je crois. C'est ça. Aïe aïe aïe. Oui, oui. Traverse un tableau, quoi. Ouais, c'est juste dingue. Ouais, c'est ok. Ok, faut nous trouver. Pardon, pardon. Ouais, excusez. Ouh, aïe, aïe. Il faut qu'on trouve deux constellations de cette étoile. Même la brume, c'est une brume d'aquarelle, mon gars. Même ça, c'est... Ah, t'es plus là, hein. T'es ailleurs hein, quand tu le fais. C'est... Mais faut le faire quand même. C'est une expérience à vivre et à partager, ça. Ok. Je sais pas jusqu'où je vais, là, mais j'y vais. Il y a un double saut à un moment donné? Non, c'est pas un double saut. C'est clair. Ok, alors là on est au max du max du max du max. Donc on a trouvé le bout. Apparaît. Apparaît. Voilà. Ouh, ouh. Ok, c'est à chaque saut. C'est pas bête. Hein. Il y avait. Je sais plus quel jeu qui était comme ça. À chaque saut, tu devais. Millimétrer là-dessus. Première étoile. C'est intuitif. Horrible, mais oui, horrible. Bien sûr. Ah ouais, peut-être par ça, c'est oui. C'était trompère. Pardon. Ok, c'était à gauche. Ok, 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 ok. Et là, pour choper le checkpoint... Yes! Easy. Ok, ok, ok. C'est quoi la politique anti-Baxit ici? C'est la plus gauche du coup. Du coup là on a qu'un. Okay. On évite les extrêmes. Non on est bon là. On a récupéré l'étoile et le checkpoint. On a rien à faire ici. On peut continuer à droite. On vient de là. On doit bouger la cloche. Ce qui était. Ok. Très bien.
Ah! Oh! Salut toi! C'est tout choupi mignon. Ouais, ces couleurs froides, c'est le fait de jouer avec les couleurs, je trouve ça superbe. Et tout est intuitif. Et je dis pas ça. Oh, pardon. C'est du racket, ça, non? Oui, j'ai tout sali, oui. Oui, j'ai tout sali! Est-ce que... Non, on peut pas. C'est dommage. Ok. Est-ce que je peux... Ok, très bien, je vais retourner. Et on va aller vers la plateforme avec les deux étoiles. Et bim bum. Ok. Inquiétant de suite, hein. Oh, le double saut! Et c'est trop stylé parce que la plupart des jeux qui font un double saut, l'un de ceux qui m'ont fait le plus, qui m'ont marqué le plus, c'est ceux de Devil May Cry. Eh bien, le double saut, il est toujours très agressif. Très dans la violence. Et là, non, t'as juste un coussin d'air, en fait. C'est un double saut. Vous savez, les doubles sauts, c'est... Ça veut toujours être un peu plus shonen, un peu plus... C'est juste léger, c'est juste agréable et pratique, comme certains de vos amis en fin de soirée. Ok. Il faut que je saute à droite. Trop cool. Dr. Jones. Tu es un nuage, Harry. Non! Lui, là, si je fais pas de double saut. Ok. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh non, ça va être beau encore. Ah ouais. C'est juste envoûtant de l'infini. Ok. Ah, avec les petits papillards qui sont là, qui te propulse en fait vers le haut. C'est-à-dire que même là, même. Ok. C'est-à-dire que même les petits papillons, même la propulsion des petits papillons, c'est pas agressif. Il n'y a rien d'agressif. Ok. T'as le mou. En fait, le double saut
génère de l'antigrave. Mais ouais. Bien sûr. Aïe aïe. Et donc je dois le choper, je dois choper le papillon vol là. Ah, ok. Le plus simple, c'est d'aller à droite, comme dirait l'autre. Ok. Il y a un truc là. Je n'ai pas fait d'anagramme politique. Je ne ferai pas de mea culpa, ok? Dommage, ça commence à Jean-Michel. Je comprends pas la question. Enfin, ça, on l'a même pas eu, mais. Ok. Alors là, c'est ok. Je vais aller sauter maintenant. Ok. Maintenant. Non. Ok. Saut de l'infini. Oh yeah. Genre même quand ça apparaît comme ça. Non ! Dr. Jones ! Ok, très bien. First try. First try. T'as ton grand là ? Ah non ! Tech. Libération. Oh. Ok. Caca. Mais wow. Ok. Je valide. Je valide totalement. Donc il y a des petits papillons dans des vases qu'on peut casser, je présume, et libérer. Voilà. Et le côté ascensionnel est juste... saisissant. Quel est ton problème? Ok. Je présume qu'il faut fuir. Se dépêcher. Pas une de dialogue. Une seule ligne. Et depuis le début, nous avons la ligne ou quoi qui nous... Ça y est, j'ai compris. J'ai. Tu m'as pris pour un poncho en 2D. Ok. C'est ça, là. Ça devient dynamique et oppressant. C'est ça, ça joue entre le lyrique et c'est pas
l'ambiance Tim Burton comme on aurait pu imaginer. Ok. C'est encore autre chose. Ce qu'on a pendant très longtemps mis dans du Tim Burton, du tout et n'importe quoi. Alors pas stricto sensu la personne, parce qu'on ne fait pas ça dans des gens, mais ne mettez pas des trucs dans des gens, sauf si, bien sûr. Le consentement mutuel est toujours hyper... bref. Mais on n'en est pas là. C'est très poétique. Ok. Ok. Alors, là... Tac. Non, c'est bien, en fait, ce que t'aurais dû faire. J'aurais dû me laisser porter. Merci, petit oiseau. Je suis même pas sûr qu'on mette des trucs dans Tim Burton. Sauf si, bien sûr, c'est une version type un jouet, quoi. Genre un produit dérivé, mais... Ah, je brûlais les poupées de ma petite sœur. Ma grande sœur. Quand j'étais petit. Bon, attends. Ah, je peux casser ça. Là... C'est vraiment beau. Oh ok. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Alors là, il va me propulser vers la droite. Comme... Tiens. Non! Il me met directement en boule. Un peu comme quand je parle et qu'il y a des modérateurs. Ok. Ok. Donc, souffle, souffle. Il faut que je time. Ok. Non, mais... Non, mais non. Allez, allez. Super! Non! Ok. Je viens, moi. Oui, on dirait que je viens de le perdre. Ok, très bien. Tu peux le refaire. Yes, très bien. Parfait. Les escaliers intérieurs pour monter, du coup, en l'occurrence, et arriver au sommet et peut-être débloquer une nouvelle couleur. Mais non. Mais c'est tellement beau. Le caractère ascensionnel. Ok. Ok, ok. Bien. Je présume qu'à droite, il n'y a rien. Ou peut-être un petit chibli. Non. Juste des choses à casser. C'est un peu comme s'il y avait des vases de respect à droite. Très bien. Oh, attends, peut-être ça aussi, on peut... Non? Ok. Et on va continuer l'ascension. T'envole. On va à gauche, on va prendre la plateforme ici. En Z. Il y a peut-être... Ah non, il n'y a rien à casser à droite, hein? Non. Rien du tout. Ça manque de vases explosifs. Non, c'est très bien, c'est parfait comme ça.
C'est parfait. Ok. Ah, il y a des petits papillons là. Très bien. Waouh! Ok. Est-ce que je peux? Voilà. Parfait. Ok. Bougie noire de Stendhal. Le rouge représentant l'amour et la mort. Est-ce qu'on peut les fissurer, les casser, les... Parce que là, il va s'énerver encore. Non, on peut pas. Il va s'énerver, là. Ah ah ah! Non! J'arrive pas à savoir si je suis embêté. Ok. Le papillon. Juste incroyable. Ok. Donc je présume. Nouvelle couleur. Le. Ok. Plateformes en haut. Vino. Mon gars. Ok. Ouais. Moment d'égarement. Ah non, mais c'est la plateforme qui est comme ça.
Très bien. Bon, c'était pas à gauche, il fallait peut-être aller, c'est à droite. Possiblement. Voilà. Tu visites juste un tableau, en fait. T'as évidemment quelques éléments de... Mais même la pluie... Et oh, eh ? Alors là, je présume qu'il faille aller sur des plateformes à partir de celle qui apparaît. Ok. Très bien. Et une fois qu'elle est apparue, ok. Saisir les papillons en vol, là, c'est là. Parfait. Mais non. Super. Non. Oui. Non. Ok. Ok. Comment je fais? Est-ce que... On va essayer de partir à droite pour voir ce qu'il y a. Et peut-être qu'il faut retourner en arrière. Quoi? Quoi? Des petits chiblis qui sortent de l'eau et qui sortent de terre. On va aller au bout de cet endroit pour voir ce qu'il y a. Ce petit bruit de kawaii. Ce sont des modos qui sont restés dans le cave. Oh. Mais même ça. C'est beau. Mais ok. Dieu, que c'est satisfaisant. Mon Dieu, à gauche. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, le deuxième. Ah, t'es venu là, hein? Et oh, on était déjà venu là. Hein. C'est le même endroit qu'au départ. Inondé. Non, tu peux pas transformer en cube quand tu es sous l'eau. Le chemin se dessine. Ce n'est pas un S. Dans mon monde. Ça veut dire espoir. Ok. Oui, je vais peut-être essayer. De souffrance. Alors, ah. Que de... Ok. Donc rien ici, peut-être en descendant en bas à droite. Ok. Tu vois, il y a un petit plouf, mais un micro plouf, pas un gros. Ok. Là, pareil. Ah, oh, et eh, oh, oui, voyelle. Ok. Là, pareil, bloqué. Voilà.
Plif Pluf. Ouais, ok. Il me semblait. Oh, la tortue. Ah, la fleur illuminée. Et là, on peut pas descendre. Quand on est dans l'eau, on peut pas descendre. Hein. Sachiez-le. Ok. C'est l'état. Les grandes... Vaca? Non, pas du tout. Je connais pas. Du coup. Déjà, l'ambiance est pas du tout la même. Choupier. En fait, ils arrivent à réinventer le truc directement derrière. Quoi. Oh là! Plif plif dans l'eau. Ok. Super. Tu bouges, champignon. Mais la musique. J'ai envie. Très bien. Ah, j'ai envie de peindre sur cette musique en fait. J'avais écrit les bases d'un jeu de rôle partait d'une nouvelle que j'ai pas publié, je publierai peut-être un jour avec ce type de musique sous-titré L'âme est une légende. Ok, merci Oxypoppy pour le prime, merci pour les 5 mois. Un triste sous-titre. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Ça peut être totalement le contraire. Céleste? Je connais pas. Mais non, mais c'est tellement... C'est... Wow. Chaque niveau était un artwork accompli. T'as pas de gameplay. T'as aucun gameplay, là. T'as rien, t'as rien à faire. À part faire, à part appuyer deux fois sur la touche A, tu vois, t'as rien à faire. Et pourtant, encore une fois, t'as l'impression de vivre ta meilleure vie.
Mais non, mais même ça, tu vois. C'est sombre. Mais non, c'est pas sombre, c'est superbe. C'est onirique, c'est... Après, encore une fois, on est influencé par qui on est, la manière dont on voit les choses. Évidemment, les choses ont... C'est comme la vie, en fait. On va y voir de l'obscur, du sombre, parce que on fonctionne comme ça. Je trouve ça juste beau partout, ici. Découverte, merci Agatha. Yes! Non, là, je dois juste aller à gauche, là. Allez, tout, là. Fais juste s'envoler des petits trucs phosphorescents. C'est tout. Il n'y a pas de gameplay. Il n'y a pas de... Encore une fois, enfin, quand... T'as pas à résoudre des énigmes plurimillénaires, quoi. Absolument, c'est même. Ok. Ah, ça y est, ça recommence. Ok. Faut plonger suffisamment bas. En caillou. Caillou! Pour aller à droite. Caillou, Ken! Ok. Cristal, très bien. Et ouais. Ah! Non. Ah, peut-être en faisant ça, en restant comme ça. C'est peut-être faire un bloc sur lequel je peux aller. Yes. Ok. Yes. Et là, pour équilibrer, il faut que je reste comme ça, puis après j'aille dans l'autre côté. C'est malin. C'est pas conventionnel. C'est malin. Je pense qu'il faut apporter un équilibre.
Un sale casse. Ah, peut-être pas en dessous. Peut-être pas en dessous, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il faut faire ça. Voilà. Pas bête. Pas bête. Pas bête du tout. Vraiment malin. Et c'est pas conventionnel, c'est pas courant. Hein. C'est vraiment pas courant comme manière de fonctionner en termes d'énigmes narratifs. Narrative? Ouais. Ah d'accord, ok. Ah, je suis là. Malinx, le lynx. En fait, il y a vraiment des logiques à trouver. Le plus compliqué, c'est de mettre le pied à l'étrier de la logique. Hein. Oui, on met des pieds dans des étriers de logique, bien sûr, évidemment. Ok, maintenant à gauche. Et comme, par exemple, c'était comme sur Little Nightmares 2. Cette histoire avec le son, en fait, la musique avec le son. Où c'était pas intuitif au départ. Ok, je sens qu'il faut se transformer avec un timing, non? Au suivant, peut-être. Faut rester comme ça, peut-être. Oh, faut la jouer en mode... Ouais, ok. Le faire de l'autre côté, du coup. Vraiment, limite. Avec ces bruits de biscotte, mon gars. Ça sera pas suffisant, hein. Ah bah si. Na 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 na. Ok. Ok. Moi qui adore l'eau, un jour il n'y en aura plus. Moi qui adore l'élément de l'eau, ça me met l'eau et l'air en fait, hein, mais ça me met en kiff mon gars. J'ai toujours adoré être une renta. Ok. Vas-y, Manta. Hein. Merci Redvirus pour les 2 mois. Merci infiniment pour ton soutien à la chaîne. Très précieux. Mais regarde, MC. Je crois que j'avais développé, trouvé un jeu sur Steam où tu prenais soin de petits poissons dans un aquarium pour éviter qu'ils meurent et tu pouvais leur donner des noms.
Genre, tu pouvais leur donner des noms de viewers, tout ça, avec des points de sauvegarde, et tu développais genre des résistances aux poissons et tout. Eh bien, c'était une fausse bonne idée. Hey, je sais comment ça finit dans les mots, hein. Je sais comment ça finit. Après l'ascension. Mais non. Abzu. Ouais, Abzu, ouais. J'ai vraiment aimé Abzu, je pense. Ok. Quand j'étais gosse, définition franco-française, eh bien, il m'est arrivé de rêver pas mal que j'explore les fonds de la mer. J'ai toujours trouvé ça incroyable. Mais non, il y a des micro-passages de... Mais non, avec de l'eau, c'est tellement incroyable. Mais c'est tellement stylé. Et on t'explique rien sur la logique de cet univers-là. Encore une fois, j'insiste là-dessus. C'est le traitement qui fait tout. Le traitement fait tout. Ah, ok. J'ai. La musique. Dingue, mon gars. Ok. On a 3, il en faut 6. De ce que j'ai compris. C'est ça. Il en manque 3. Obligé, il y en a un qu'on va trouver genre super easy. Sinon ça apportera trop de lourdeur dans la narration. Mais non, mais regardez, mais regardez, mais regardez, mais non, mais... Ok. Oh. Oh. Ils vont nous suivre. Une fois qu'on sera propulsé en l'air, on va les utiliser. Ah, ok. Donc on va aller en rechercher d'autres. Peut-être qu'il en faut 2, peut-être. Allez. C'est ça. Ok. Là, on est bloqué. 1, 2. Non! Ok. On va aller plus haut. Allez, plus haut! Du coup. Ok. Non! Voilà! Mais. Plif, plif. Ok. Oh. Là, on a déchiré, donc du coup, on a déchiré le voile. On va à l'intérieur.
l'oreille de l'arbre. C'est ouais. Ça t'apporte une trois dimensions avec. Ça t'apporte une troisième dimension de réflexion, de plateforme, mais uniquement en 2D, quoi. Le génie du level design. C'est-à-dire qu'à aucun moment, comme dans d'autres jeux, tu découvres une nouvelle dimension, mais visuelle. Non. C'est intuitivement, il te... Voilà. Ça, j'adore. Dites-le, sachez-le, si j'étais pas en live en train de tourner ça, je pense que je laisserais le personnage au fond avec les 4 étoiles et juste je me poserais en fait. Juste contemplatif. Juste à me dire, laissez-moi dans mon monde. Il est quand même vachement plus cool que le vôtre. Ok. Alors, comment accéder? Boulet time. Très bien. On va pas essayer. Ah. Très bien. Voilà. Par le bas. Ok, c'est un jeu de faux semblants. Il en manque un là, je crois. On va casser les petits rubans. Et là, avec ces papillons là, on va pouvoir accéder aux étoiles. En retournant en haut, à gauche, en haut. À gauche, en haut. Parfait. Est-ce que... Voilà, c'est ça. Ready? Voilà. Mais... Ah bah dis donc. Mais ça méritait d'être analysé, hein. Donc... je trouve qu'on a tout très bien fait. En particulier quand on a perdu du temps. Je nous félicite de cette lucidité. Parce que sans cette perte de temps, eh bien on en aurait gagné. Et ça on n'aurait pas aimé. Ça, on n'aurait pas kiffé. Ça on n'aurait pas pu profiter du voyage. Ce qui compte, c'est pas tant la destinée, mais le voyage. Oh! First try. C'est beau, hein. Voilà. Yes. C'est magnifique. Ah. C'est ce que ressentent les raies. Manta. Et là... Ah. Et mon cas.
Ouais, c'est incroyable. Et bien, on va les retrouver. Je pense qu'on est venu par là, donc il faut chercher encore. Oh, attends, on n'est pas allé par là? Si, ah voilà. Eh oh, reviens! Prends-moi mon peigne! Allez! Tu te fous mon gueule? Ça, j'ai chanté Mario Kart, hein. Ah ah! Ah, t'as essayé de louper, hein? Déjà ours. Tu sais, des années d'entraînement à Dead by Daylight pour en arriver là, hein? Et beaucoup de poésie. Oh. Une tortue. Ah non, c'est tellement... Ok. Tortue avec une cagoule. Ouais. Oh, le ciel sous l'océan. Regardez, mais c'est... Ouais, sous le... C'est... Mais non. Mais tout est symbolique, tout est poétique, tout est... Ok. Mais non, je peux... Ah. Oh. Ok. Okay. C'est juste ouais.
Non. Allez, concentre-toi, Maya. Est-ce que je suis? Oh. Mais non. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est juste... voilà. En fait, je vais juste pas me réveiller, en fait. Ok. Le danger guette. Je sens que... Mais va te faire voir, mon gars. Très bien. Ok. Ça m'a un peu surpris. Merci. Ok. Ok, c'est tout gelé maintenant. On va avoir le froid qui va sévir de nouveau. Ok.
On est désormais dans l'obscurité totale. Et je pense qu'il faut choper les perspectives. Ok, quand ça éclaire, ça peut être un bloc. Quand ça ne l'éclaire pas, je pense que ce n'est plus un bloc. Maintenant, ça va être un bloc. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Sayla. Pour les 25. Ok. Ok. Très bien. Là, est-ce que... Ah, on est arrivé par en dessous, là, il me semble. Faut attendre, faut attendre. Éclaire-toi, 3, 2, 1. Ah, le goût du timing. On peut remonter la rivière, c'est vrai. La rivière, la cascade. C'est la proximité, c'est pas le timing? D'accord. Laissez-moi avoir l'illusion que c'était un truc incroyable que j'ai fait. Hein? Est-ce que vous pouvez le confirmer? C'était incroyable. Oui, hein. C'était fou. Hein. Vous n'avez pas marre de briser les rêves des gens? Non, c'est proximité. Non, prenez 30 secondes pour les briser. Les rêves. Incroyable! Ok, très bien. Okay. Est-ce que t'as un jeu de faux semblant là? Est-ce que à droite là t'as un jeu de faux semblant? Ok. Arrête! Il n'y a personne dans le costume de Mickey. Enfin, si, il y a quelqu'un, mais dans les costumes de Tic et Tac, je suis sûr qu'il n'y a personne. Je sais, j'ai fait un moonwalk avec, avec Tic. Ok. Ouais, j'ai échangé quelques pas de danse avec, avec Tic, c'est vrai. Non. C'était retrouvé... d'un côté de l'autre d'un couloir. Je l'ai vu, il m'a vu. J'ai fait vous, il a fait moi. Et on s'est approchés l'un vers l'autre en faisant des pas de Michael Jackson. Avant de se retrouver dans les bras l'un de l'autre. C'est vrai, c'est pas un rêve, je me suis pas réveillé à ce moment-là. Je ne déconne vraiment pas. Je vous dirai pas le contexte, mais... Plein de révélations. Ah ok, là on peut remonter. Encore là, très bien, parfait. Ça y est, on a accès à... On a accès à tout là. Ouais, tout est un tableau. Faut pas me laisser faire des expériences vidéoludiques comme ça. Après, je vais dans les confidences et tout. Et vous apprenez des trucs que j'ai fait avec les personnages de Disney. Et...
Et ça va vous confirmer un certain nombre de choses que vous soupçonnez de moi. Mais... Ok. Oh, mais non, mais... Ok. Non, mais s'il te plaît, quoi. On n'a pas choisi le jeu. Bah, tu sais quoi? Moi, j'ai pas choisi ma vie, donc, tu vois. Égalité. Et c'est incroyable, ça, aussi, ce que je viens de faire. Mais non. Ok. Un vif d'or. Ouais. Voilà, dose de codéine qui va avec, mais ok. Parfait. Mais non, mais... C'est juste ouf. C'est inventif. C'est imaginatif. C'est sous. Non, non, c'est incroyable. Il n'y a pas de... C'est pas un défi... de dextérité. C'est pas... C'est rien de tout ça. C'est une pure expérience. Mais... C'est-à-dire que là, on a un level design en clair-obscur. Je vais plonger dans l'infini. J'ai compris où était là. Petit moment de stress. Ok, vas-y, disparaît. Juste ouf. Si on n'est pas dans dans de la 3D de l'Unreal Engine 8410, non, non. On est dans de la pure dose de créativité de niveau Omega. Mais regardez, mais réfléchissez au truc, quoi. C'est-à-dire que au niveau réflexion de level design et d'expérience, on parle quand même de réflexion avec des gens qui se sont dit on va créer un niveau à base de lumière et on va utiliser des éléments aériens pour nous propulser dans des espaces fermés, aquatiques, dont la pesanteur ne sera pas gérée de la même manière et qui va côtoyer les étoiles. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu arrives à ce niveau de perception d'une expérience narrative, tu sais que tu as un défi derrière de devoir l'accomplir et pas et qu'il n'est pas facile. Qu'on peut pas, on peut pas cumuler. Ok, très bien. Très bien. Et pareil, le concept de remonter les cascades. Je veux dire, dans Doom Eternal, il y a des... Mais... Dans Doom Eternal, il y a des phénomènes de cette nature. Ok, alors il fallait que je... Où tu sautes... sur... une plateforme et tu utilises une autre plateforme pour te propulser. Il y a ça. Mais c'est incomparable en fait, mon gars. Alors à gauche, à droite. C'est-à-dire qu'il y a des éléments pour te propulser à gauche, à droite. Et c'est très nerveux, et tu...
Tu butes du démon et tout et... Oh, ok. Oh, ok. Ça y est. Un autre follet. Fais follet. Oh, ok. Ces cubes me font penser à le jet. Faut pas manger des... des cubes. Ok. On va casser ce vase pour aller en haut. Ok, c'est-à-dire que quand... Ok, quand on se transforme en cube, on fait fuir le petit feu follet. Ben là, ben là. Hop là, très bien. Petit saut de la plateforme. Autre, on se retrouve à l'autre niveau. Et là, on va utiliser le cube qui va faire fuir le feu follet. Et on va pouvoir utiliser... Voilà. Incroyable. Incroyable. Eh mais, regardez, incroyable, hein. Avec des petits éléments sonores et tout. C'est ouf, c'est ouf. C'est vraiment... T'es en dehors du temps, en fait. Et revenez! Non. J'ai l'impression d'être... Non, je vais casser la poésie, si j'ai ça. Mais c'est beau, en tout cas. Ok. Ne casse pas la poésie. Ah ouais. C'est... Oui. Plus ça, c'est... À base de piranha et de... De cible de bain. Y'a pas un... Là, on peut remonter là. Là, non. Ah, attends. Là, y'a... Ah ah! C'est, j'ai. Alors. Quoi donc récupérer pour sauter plus haut? Ah, peut-être. Soit... L'eau en haut à gauche, soit ici. Je pense ici, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. Oh! Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et il est cool. Ok. Non, mais mon gars. Très bien. Sûr. Évidemment. Ok. Alors ça c'est ok. On va là. On bondit, on va... Mais non, mais tout te paraît tellement logique en plus. Des bisous à Newton qui est dans le chat et qu'on remercie pour tout ce qu'il a fait. Mais... aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Très bien. Des bisous Newton. On adore, hein. On adore. On adore, on est très fan, hein. Très très fan. So. Ok.
Merci Aerodreams pour les 20 mois, merci beaucoup. Ouais. Non, je pense que c'est une. Ah oh. Ok. Schneller. Ok. Il y a arnaque sous roche. Parce qu'on passe à ligne. On change de gravité. Ah. Ah. Ok. Pas bête, pas bête. Ok. Yes. Ok. On a qu'une seule vie. Il faut. Ok, très bien. Du coup, il faut qu'on aille à gauche. Bah ouais. On a qu'une seule. Très bien. Oui, je sais. Putain, quoi. On a commencé le jour, là, on finit la nuit. C'est juste. Ouais, t'as une sorte de temporalité. Et oh, t'as des cubes d'eau de lumière. De... Hein, c'était incroyable ou pas? C'est le timing est ouf, hein, ce que j'ai fait. Allez, hop. Pile quand j'ai sauté là, c'est devenu fou. Hein? Franchement. Je m'étonne, hein. Je dirais plus que je... Un mélange entre je m'étonne et je m'impressionne, tu vois? Je m'imprétonne, tu vois? C'est... Mais... N'en rajoute ou pas. Restons humbles devant le... tout ce qui est incroyable. Contentons-nous de le constater. Merci Matika. Pour le 1 an d'anniversaire, c'est plutôt frais. Ouais, c'est ouf, ouais. Très bien. Regarde, là, on est toujours en 2D. Mais. Néanmoins. Krilin, du coup. On sait quand même qu'il y a une profondeur de champ. Et ça me rappelle vraiment à fond tout le côté Little Big Planet. Ok. Le petit saut. Du coup, si j'étais descendu à gauche, il fallait que je parte à droite. Oui, mais tout est géré et tout est intuitif. Tout est ultra intuitif en fait. Hein. Ah, t'as passé le champ d'eau. Ok. Tu dois aller à gauche, peut-être sauter en hauteur encore. Là, ici. Voilà. Ok. Pardon, excusez-moi. C'est comme ça qu'il se transforme, Bruce Banner. Hein. Je pense que il faut pas. Ouais. Je pense qu'il faut pas passer la ligne. Mais non, mais j'avais passé le truc. J'étais sur la plateforme. Oh. J'étais sur la plateforme. Voilà, ok, très bien. Bon. Oui, bah c'est. Hein, c'est exactement ce que je disais là. C'est que. Il y a un moment donné, il faut pas que tu franchisses la ligne. Parce que tu changes de.
de sens de pesanteur. Et tout se joue entre là et là, en fait. Juste là. Papa. Voilà. Yes. Ok. Elle est incroyable ou pas? Dès que je m'approche, le timing ouf encore. C'est... Je n'arrête pas. C'est... Non, en plus, c'est vraiment... Ils sont toujours dans les couleurs complémentaires. Ouais. Ouh là là. Ok. Ok. Je prends les petits poissons. J'ai fait le tour. Je dois faire quoi? Ah. Ok. Plus. Je pense que. Non, il y a un vrai travail à tous les niveaux. Il n'y a pas de négligence en fait. Ah non! J'avais tellement bien géré le timing pour me retrouver sur le rocher. Pile au bon moment. Ok, là. Je saute. Je récupère les petits papillons d'eau. Voilà. Bim bum. Voilà, très bien. Et là, je saute. J'arrive sur la plateforme intermédiaire. Ok. C'est là. Ok, très bien. Deuxième. On l'a eu. On l'a eu. Ouais. Ok, très bien. Perfect. Je chante? Je dois faire apparaître des trucs, mais... J'ouvre, mais... Pouah. Mais non, je suis... C'est... Ouais, c'est... Je sais pas. C'est... Par contre, à pas essayer de chanter sous l'eau, hein, bien sûr. Hein. Je vais essayer d'aller chanter vers l'endroit où il y a résonance en haut. Non. Du coup, le prochain, là. Je dis pas ça passe. Oh!
la boucle. Ce. Oh, c'est. Ok. Ok, ok. Avance, mécaraignée. Très bien. Yes. Allez, je me mets à la place d'araignée en dessous qu'il a. J'ai Ok. Le truc sert à rien, mais j'ouvre les fleurs quand même. Hein. Et c'est juste. C'est juste trop beau. Ok. Non, pas ok. 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 À droite. On me dirait Emmanuel Macron. C'est vraiment très très beau. Ouais. Ok. À gauche. Ça c'est ouais. Là on va arriver. Oh. Il va se passer un truc, choubidou. Ah. À deux doigts du choubidou. Incroyable. Ok. Ok. Parfait. Et là, je vais passer à l'autre ligne et je vais pouvoir. Parfait. Non. Réfléchis, Maya. Non, c'est l'autre côté. Ok. Très bien. Ouais, maintenant. On passe par là. On change de plateforme. Et on attend qu'il se passe. Et on saute. Ah. Pas comme ça. On saute pas comme ça. J'ai oublié la petite dimension de changement de ligne. C'est l'autre qu'il faut. Donc c'est en descendant. Non. Ou en montant, c'est bien en montant. Un peu comme la courbe du Covid. Très bien. Ah, en superbe. Ça rend superbe. Ouais, et... Non, 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 non. Ah bah si, si, carrément, carrément de ouf. Mais non. Mais... Voilà. Je crois que c'est... tous ces niveaux, c'est une métaphore de ma vie en fait. Superbe.
incroyable. Superbe. Ok. Alors, ouais. Ah, la gauche, très bien. Non, mais les couleurs sont incroyables, dirait Manu. On va aller chanter à gauche. Yes, tiens. Il nous manque quelque chose là. Ok. On va passer par là pour. Ok, il faut, je pense, aller à gauche là, ouais. On va casser l'autre vase aussi parce qu'on aime ça. Oh. Ça y est. Mais pitié, c'est tellement trop beau. Et même le, même l'image de la lune, elle fait fou loulou. Ok. On va ouvrir là. Ah. Est-ce que c'est temporaire? Non, j'ai pas l'impression que ça apparaît de manière temporaire. Alors il faut aller par la gauche, hein, j'ai l'impression. J'ai le pressentiment que... Non, c'est la même chose? Ouais. C'est, je crois, labyrinthique et la droite ne marche pas. Et j'espère qu'elle ne marchera jamais. Oh, ok. Il en manque un? Eh oui, il en manque un. Oui, non. Ah, il en manque un. Il manque... attends. Il en manque deux, même. Ok. Aïe. Mais cogner contre un nénuphar. Regardez, il y a des petits... des flamants roses transparents. Oniriques. Purpres. Une illusion politique à peine voilée. 250€ d'amende. Hein. Ok. Oh, incroyable. Vous avez vu quand je me suis approché? Ah là là. Je me lasserai pas de cette blague. Ouais. Très bien. Moi aussi. Yes. Très bien. Allez! Et là. Et franchement, il y a, à chaque fois, il se passe des trucs vraiment. À la fois. Dont le pattern diffère, mais. La mécanique reste hyper cohérente, en fait. Tu vois. Ok, on va remonter la cascade. Ok. Oui. Non. Ou alors c'est juste fait pour... Oh, ok. Il nous en manque... Eh bah très bien, first try, parfait, nickel. C'est comme ça qu'on l'aime. On monte la cascade là, et... Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai pas fait exprès? Ou alors que c'est du génie. C'est possible aussi. Un mélange des deux, on va dire.
Et attends, c'est un autre type de... Okay. J'ai purifié le flamant rose. Ok. Quel dommage. Ok. Mais moi, ouais, ouais, c'est comme le coup de... Ouais, non, écoute, c'est pas toi, c'est moi. C'est trop beau pour être remarquable. Oui, oui, non, oui, non, oui, non, oui, oui, yes, oui, non, non, oui. Ah, excellent. Superbe. Et là oui. Ok. Très bien. Mais totalement, c'est pour ça que Dark Vault sera président du monde. Ok, et c'est ouf comme tout est intuitif. Tu peux aller en mode automatique et... Le jeu, en fait, a ça d'incroyable, c'est que il donne l'illusion de la difficulté, mais la contemplation, là, elle reste bien présente, en fait. Elle reste vraiment présente. C'est-à-dire que la difficulté, et c'est là vraiment le génie du jeu, c'est que c'est suffisamment intelligent pour te laisser apprécier le... ce que tu vois, en fait, et ce que tu traverses. Tu subis pas juste le gameplay, t'es pas juste dans la gestion de la difficulté, dans la compréhension des énigmes. Et je trouve ça vraiment, vraiment fort. Ok. C'est pas Dark Souls. Non, je préfère aimer l'Antéchrist. Ça demande moins de temps. Alors. Merci Aurelia Strange pour les 5 mois. C'est pour ton prime. Hein. Voilà, merci beaucoup. Très grand merci à toi. Ok, et... C'est parti. Bon, ok. Parfait. Et c'est moins compliqué d'adorer une créature plurimillénaire. Plutôt qu'essayer de passer. Oh man. Nous reviendrons à l'Antéchrist plus tard, nous allons admirer le jeu. D'accord? Merci. Merde. Et voilà les deux. C'est juste ouf, ouais. Très bien. Ok, ok. Est-ce que je peux purifier d'autres... Commencer par croire en soi avant de... avant de croire en une divinité. Oh, si on peut être les deux en même temps, c'est bien. On peut faire les deux en même temps. Ok. Le retour de l'arrêt, Manta. Et là, on a les deux étoiles. On a les deux... Ah ! Purification ! Yes ! Excellent. C'est important, hein, mettez les virgules. Rien à voir avec Tim Burton, bien sûr. Mais pas des virgules dans Tim Burton. Ok. Ah, on y est. Oh! Yes, c'est fou, hein. Comme à chaque fois. Là, il faut que je grimpe. Et en haut, il y a... Yes. Est-ce que je peux directement sauter là, ici? Non! Non plus! Oui! Super.
Voilà. Et c'est tout intuitif. Pure préfication. Oh! Il n'y a pas de ligne, en général. Certains diraient dans le nez, mais... Ok. Allez! Yes! C'est fou, hein. Et là... Ok, et là on va partir à droite. Oui. Oh, ok. T'es fou. Eh, c'est un immense tableau, quoi. Et par exemple, je suis trop content de te voir sur ce jeu. C'est très gentil, c'est très très gentil, Sylvain. Voilà, on y est. Du coup, ouais. On va mettre les deux ici. Les deux. Ah, on va purification. Déjà effectif. Et là, on va. Voilà. Remonter par ici. Et ensuite remonter par là. Quel timing incroyable. C'est fou. Voilà. Et là on est ok là. Oui, on est totalement ok. On va trouver la voie. Ça y est, on y est. Ça y est, on y est. J'en ai bien peur. Deuxième fois. Je peux tout t'expliquer. Genre du bout de la phalange. Genre t'as les marques des ongles sur la paroi comme ça et deux trois traces dedans. Tu vois. Oh! Non, te laisse pas faire. Ce sont ces démons intérieurs, en fait.
ça. Ça représente ses terreurs. Ses propres peurs. Mais je ne connaîtrai pas la peur. Car la peur tue l'esprit. Ok. La peur et la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. Ah, c'est la... Oh non. Je crois que j'ai compris.
Eh bien, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Une excellente découverte. Et j'étais vraiment ravi de le partager ici. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut créer, en fait. C'est pour ça qu'il faut apprendre à raconter. Pour ce genre de choses. Pour ce genre d'expérience. À continuer à créer, continuer à raconter les histoires. Et voilà, et rendre le monde meilleur. C'est pas forcément passer par... juste dire que des choses sont négatives, ça passe aussi par pointer ce qui est bien, et il le raconte très bien dans cette expérience. Il le raconte très très bien. Thank you.